Québécois. Ça a commencé après les 14 ans, après mon sixième année. Il fallait que je choisisse un métier. J'étais pas très bon à l'école et mes parents m'ont poussé à faire un métier manuel. Donc, j'ai essayé plusieurs métiers, l'électricité, ainsi de suite, et j'ai fait boulanger. J'ai essayé ce métier-là, j'ai fait deux ou trois compagnies, et puis je suis parti pour faire un diplôme. Et après mon diplôme, mais je suis parti faire mon service militaire. J'avais 19 ans. Et après mon service militaire, j'ai retrouvé un autre patron et ainsi de suite. Jusqu'à l'âge de 25-26 ans où j'ai travaillé à Toulouse, dans une grande agglomération. Mais après Toulouse, mon patron avait vendu son affaire. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et c'est lui qui m'a poussé à travailler à l'étranger. Quand je suis parti de France, ça a été un gros changement dans la vie parce que bon, je quittais bien sûr des amis, je quitte la famille aussi, mais que j'étais pas très très proche de ma famille, donc c'est paradoxal, mais ça m'a donné justement le goût de partir. Si j'étais trop trop proche, probablement que je serais jamais parti. Maintenant que j'ai connu un autre pays, d'autres traditions aussi de ce pays-là, le Canada ou le Québec. J'ai fait le bon choix, voire le meilleur que j'ai jamais fait jusque dans ma vie, pour l'instant. Il faut aimer ce métier-là parce que c'est un travail de nuit, c'est un travail très dur parce qu'on peut faire des 10-12 heures sans prendre une pause. Et puis, on travaille avec de la chaleur. Il peut faire l'été 45-50 degrés dans un fournil. Pour l'instant, j'ai 45 ans. J'ai commencé à 15 ans, 30 ans dans le métier. Et je sais pas où ça va m'amener, mais bon, les frontières, elles ne sont pas fermées. Je peux aller d'un bout à l'autre. Peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on sait jamais. Et puis voilà. Mais on a un excellent et très 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 beau métier, mais qu'il faut aimer, sinon on ne peut pas faire ça si on n'a pas le cœur à ça. Voilà.